télé? De quelle télé vous parlez? Il arrive, vous dites? Allô? Une équipe de télé va venir sur le campus. Une équipe de télé va venir sur le campus. Une équipe de télé, une équipe de télé. Une équipe de télé, trop cool. Elle vient peut-être pour parler de mes chansons. Tu sais que tu es drôle, Daisy. S'ils viennent jusqu'ici, c'est pour filmer le fabuleux campus des talents. Il va devenir mondialement connu. Cet endroit va vite devenir de Place to Be. C'est trop bien. On va me voir à la télé. Il faut que tout soit absolument parfait. On devrait préparer quelque chose. J'ai une idée. On va organiser un spectacle. Ouais. Je pourrais chanter un de mes meilleurs hits. Et nous, on pourrait faire une chorégraphie. Oh oui, bien. Mais il faut une choré qui en mette plein les yeux. Un peu comme des numéros de pom-pom girl qui se terminent par une pyramide. Mais oui, bien sûr. Autre chose? Une pirouette avec un double saut du sommet, peut-être? Oh oui, ce serait génial, Lady. Excellente idée. Nous avons peu de temps. On m'a dit que l'équipe de télé allait arriver aujourd'hui en fin d'après-midi. Je dois passer de nombreux appels. Tout le monde doit venir. Allô, oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'entraîne. Quelques années plus tard et on est à nouveau toutes réunies. Je sais que je suis merveilleuse. On se voit près de la fontaine dans 10 minutes. Bien sûr. Tu crois qu'ils vont venir bientôt? Je suis impatient. J'espère que oui. Oui, bien sûr. Tous les membres de l'équipe de télé vont venir. Psst. Alors les garçons, votre numéro est déjà prêt? Allez vous entraîner. Un numéro? On doit aller en cours? J'en ai aucune idée. Si on faisait un numéro de magie? Oh ouais. Un numéro? Je dirais que c'est l'occasion rêvée de semer la zizanie. C'était fabuleux. On se voit sur scène dans quelques heures pour essayer les tenues, d'accord? Lady, n'oublie pas le saut final. Oh, serait-ce le maire? Oui, allô? Tu ne danses pas, toi? Le truc, c'est que je ne suis pas très douée pour danser. Ah, je pourrais vous préparer des biscuits pour que vous fassiez le plein d'énergie. Bonne idée. Toi, tu fais des biscuits et nous, on chante et on danse. C'est bien là le plus important. Oh, c'est à moi. Hé, préparer des biscuits, c'est aussi très important. Je dirais que ça sent la dispute par ici. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur numéro. Je parie que les filles sont occupées à préparer quelque chose de bien plus facile. De vrais amis. À toi, Lady. C'est quand même haut. Oh, allez, ça fait partie de ma prestation. Monte. T'entends quoi par ta prestation? Ah, c'est trop lourd, je tiendrai pas. Aïe, Lady. Désolée. Oh. Et c'est une catastrophe! Vous allez gâcher mon numéro comme ça! Excuse-moi, ton numéro? Le pire de tout, c'est que j'ai mal à la gorge. J'espère que je ne vais pas avoir une extinction de voix. Salut les filles! Regarde Daisy. Je viens de faire des biscuits au gingembre. Ils t'aideront sans doute à apaiser ta gorge. Des biscuits au gingembre? Tu es sûre que ça peut m'aider? Oui, mes biscuits aussi peuvent t'aider. Oui, si tu le dis. Allez, je vais en goûter un. C'est trop épicé! Ma voix! T'es même pas capable de faire quelque chose de bien. Quoi? Ça suffit, je m'en vais. Nous aussi on s'en va, on en a ras le bol. Ne faites pas ça les filles, l'équipe de télé arrive très bientôt. Au revoir, chanson. Bon, en avant les répétitions, première prestation. Salut les filles, je crois qu'on était toutes un peu tendues tout à l'heure, non? Oh allez, on y était presque, répétons encore. Bien, je monterai sur scène en solo. Allez vous entraîner. Tu peux faire mieux que ça. Shaq, fais-moi disparaître. C'est moi qui suis censé disparaître. C'est une catastrophe. Vous devez répéter encore. Et maintenant, je vais interpréter mon plus grand tube. Son plus grand tube? Une minute. Pourquoi vous n'êtes pas sur la scène? Parce que j'ai décidé de chanter seule. Seul? Oh non, il nous faut une chorégraphie de groupe. Un spectacle qui en met plein les yeux. C'est un numéro de groupe. Ce sera l'apothéose. N'oubliez pas que l'avenir du campus dépend de chacun d'entre nous. On va tous passer à la télé. Regarde, il y a un monde de fous. Où est l'équipe de télévision? Oh, je n'arrive pas à voir les caméras, il y a trop de gens. Des caméras? De quoi elles parlent? Les filles ne monteront pas sur scène. Oh non, elles ne s'adressent même plus la parole. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais avec ces flacons d'épices? Shadow? Du piment? Shadow? Les filles, c'était Shadow.
C'est elle qui a mis du piment sur mes biscuits. Oh, quoi? Ce n'était donc vraiment pas toi, Connie? Je suis désolée, les filles. J'étais tellement nerveuse à cause du spectacle que j'ai oublié que le plus important était de le faire ensemble. Je me suis vraiment montrée odieuse avec vous. Un petit peu. Mais maintenant, faisons le numéro. On ne peut pas laisser Shadow gagner. Et puis, vous savez quoi? Ensemble, on peut le faire. Et maintenant, veuillez accueillir Narvi et Shaq. Je vais faire disparaître Narvi. On aurait dû choisir un tour plus facile. Oh, c'est un vrai désastre. Dansez. Quoi? Bougez. Il n'y a pas de limite. À nous de rêver, à nous de danser. Pour toujours nous resterons de véritables amis. Amis pour la vie, amis pour la vie. Regardez là-bas, il y a Shadow. Prêtes à briller à nouveau toutes ensemble? Le pouvoir de l'amitié! Non, pas cette lumière! Les filles, c'était... oh, impressionnant! Et cette lumière à la fin, spectaculaire! Je me demande quand même toujours pourquoi l'équipe de télévision n'est pas venue. Livraison de colis! Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? C'est la télé! Notre télé est enfin arrivée! On se regarde un film? Oh oui! L'appel au sujet de la télé? C'était pour un poste de télé?